Et coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera le débrief des produits terminés de chez Action, notre petit rendez-vous mensuel. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas non plus à vous abonner, c'est complètement gratuit, ça fait plaisir et surtout ça n'engage à rien. Et puis c'est parti, on commence. Alors, tout d'abord, vous avez été nombreux à me demander des retours sur ce diffuseur bâtonnet qui était parfum saveur, senteur plutôt, plus que saveur, fruit du dragon. Donc il coûte 3,99€. Alors je l'ai testé dans différentes pièces, j'ai commencé par le mettre dans mon dressing qui n'est pas une pièce immense non plus. Alors il sentait rien du tout. Puis j'ai décidé de le mettre dans ma cuisine. Elle sentait toujours rien. Et puis je crois qu'il est même passé par les toilettes. Et ce fut un échec total. Donc conclusion de la chose, le packaging est magnifique. Il coûte pas très cher, la senteur est originale. Mais il sent rien du tout. Donc c'est un véritable flop, sachant que j'en ai acheté deux parce que j'ai une autre senteur que j'ai pas encore testée, mais bon, je m'attends pas à des miracles non plus. Donc bah vous l'avez compris, je ne racheterai pas. Encore une fois, Action nous prouve que tout est dans le packaging. Ensuite, nous avons terminé ce gel douche de la gamme à la mangue. Donc pour l'instant, Belouchette m'a offert le shampoing, mais je ne l'ai pas encore testé. Et on a le masque, il me semble. Le masque, il est en cours. Il doit être en cours, je sais plus. Enfin bref, toujours est-il que le gel douche, bon, sympa. Alors une bonne odeur de mangue, comme j'aime bien. Hein, ça, au niveau de l'odeur, on ne se trompe pas. Par contre, ouais, voilà, j'en fais pas... Je ne racheterai pas. Il coûte 1,29€ les 500 ml. Voilà, je ne racheterai pas. C'était sympa ponctuellement, mais non. Ensuite, alors j'avais acheté il y a quelques temps ce nettoyant plutôt pour les écrans. Donc télé, ordinateur, portable. J'ai déménagé mon salon il y a quelques jours. J'ai vu que la télé était dans un état... Bah, c'était pas très beau, hein. Quand on change d'orientation, on voit certaines traces qu'on ne voyait pas avant. Donc j'ai ressorti ce nettoyant de la marque Grunding, alors pourtant une super marque. J'ai nettoyé mon écran et il y avait 10 fois plus de traces qu'avant que je le nettoie. Donc c'est un véritable flop, je ne le racheterai pas. Du coup j'ai nettoyé mon écran avec les lingettes qui se vendent aussi chez Action pour nettoyer les lunettes, mais vous pouvez aussi nettoyer les écrans avec. Et par contre là mon écran brillait de mille feux. Donc il est quasiment plein, mais c'est pas la peine, il me graisse deux fois plus mes écrans. Donc poubelle, c'est un véritable flop. Ensuite, j'ai fini ce spray diffuseur que vous mettez dans les appareils qui diffusent automatiquement du parfum. Donc celui-ci est à la cannelle et à la pomme d'amour avec de la framboise givrée. Donc c'est la marque de chez Action, hein, c'est leur marque. Bah ça je rachète, j'adore, c'est un top, je suis absolument pas déçue. Toute leur gamme est vraiment sympathique, donc je vous invite à les tester, ils sont vraiment sympas. Ensuite nous avions trouvé des nouvelles boissons 7-Up. Il y a celle au chéri. Alors moi je bois pas ce genre de choses, mais mon mari a adoré cette boisson. Il a vraiment aimé. Et est-ce qu'il y avait le prix? Non, je n'ai plus le prix. Donc ça, c'est un top. Et on a trouvé aussi le 7-Up avec 0% de sucre. Donc ce qui est plutôt pas mal, à 79 centimes la bouteille. Et pareil, il a adoré. Donc je pense que s'il retombe dessus, il rachètera sans problème. Moi j'ai terminé cette brume, alors ça fait un sacré moment qu'elle est sortie, c'est la Caribbean Love,
Moi, j'adore les brumes de chez Action. J'en ai toute une collection. Un jour l'une, l'autre jour une autre. J'adore ça. Donc après la douche, voilà, j'aime bien me pulvériser, me pipiter un peu de brume. Ou même, voilà, l'été, là, la chaleur est arrivée en Bretagne et je peux vous dire qu'on est passé de 15 degrés à 30 degrés. On a hyper chaud, c'est soudain. Alors moi qui n'aime pas la chaleur, voilà, qui arrive brutalement, et ben je suis servie. Du coup, j'aime bien appliquer de la brume aussi à la place du parfum l'été. Je trouve ça rafraîchissant et puis bon, je trouve ça plus sympa que du parfum. Donc voilà, celle-là j'ai adoré. Alors j'ai pas la senteur, hein, ça sentait les Caraïbes, les amis, ça sentait les Caraïbes. Excellent. Après, je ne rachèterai pas non plus parce que j'en ai pas mal en cours. Et donc, du coup, voilà, hein, j'attendrai une autre nouveauté. Voilà, celle-là, je ne la rachèterai pas et puis c'est même pas sûr qu'on la trouve. Après, mon mari a goûté les Lions à la noix de coco et au chocolat blanc. Alors, on les a vus passer sur toutes les chaînes. D'ailleurs, quand il les a vus apparaître la première fois, il a bavé devant l'écran, hein, c'est le cas de le dire. Alors, concrètement, il a adoré. Depuis, je crois qu'il les a rachetés. Il a vraiment aimé. Alors, moi, je ne les ai pas goûtés parce que, comme vous savez, je suis ni noix de coco, ni chocolat blanc. Si vous me suivez, vous le savez. Voilà, je me réfère à son avis du coup. Donc ça a été racheté, ce sera racheté. Ensuite, c'est pareil, on a vu passer sur différentes chaînes les Hershey's cookies à la crème. Donc voilà, ce paquet. Pareil, hein, moi j'ai pas goûté, ça me tente absolument pas. Ça me fait penser aux Oreos que j'aime absolument pas non plus. Par contre, lui a trouvé ça légèrement écœurant. Il n'a pas apprécié plus que ça. Donc, on ne rachètera pas. Pour nous, c'est un flop. Ouais, biscuit, oui, c'est ça. Ça ressemble trop écœurant. Ensuite, je suis une amoureuse des marshmallows, des chamallows. Donc j'ai trouvé ce paquet de 10 bâtons, 10 bâtonnets marshmallows. Donc voilà, à 1,19 € les 10 bâtonnets. J'ai adoré, hein. Ils sont super bons. De toute façon, je crois qu'on pourrait me donner n'importe quel marshmallow. J'adore ça. Après, ils sont très très grands, hein. C'est des grands bâtonnets à peu près comme ça. Oui, je rachèterais, hein. Au lieu d'en manger 10 petits, j'en mange un grand. Et puis voilà. Donc c'est peut-être pas plus mal. Donc pourquoi pas, je rachèterai peut-être. Ensuite, je vous avais présenté dans un haul ces bonbons acidulés à la pastèque. Le sachet de 300 grammes coûte 1,69 €. Alors ça, c'est juste une tuerie. C'est acidulé juste comme il faut. Ça a un bon goût de pastèque. C'est une tuerie. Une tuerie. Donc ça, c'est un grand top. Le sachet est vide et c'est déjà racheté. J'adore ces bonbons-là. Et dans la même gamme, ils ont sorti les dynamites stick, mais alors cette fois-ci à la fraise, à 1,69 € aussi, les 300 grammes. Alors, moi je les aime pas du tout. Je les trouve caoutchouteux. Je sais pas, le goût de fraise, je l'apprécie pas forcément beaucoup. Je sais pas. Par contre, mon mari adore. Voilà. Bon. Et ils sont halal. C'est le petit détail qui peut être important pour certaines personnes. Voilà. Moi, je trouve ça caoutchouteux. Voilà. J'aime pas. Donc, je ne rachèterai. Ou si, ou mon mari rachètera pour lui. Ensuite, j'ai terminé ce gel. Alors, est-ce que celui-là. Gel nettoyant pour les mains à la poire. Alors, il fait très très bien son job. Il sent divinement bon la poire. J'adore l'odeur de poire comme j'aime la poire. Il sent super bon.
Mais par contre, celui-ci, attention, n'est pas désinfectant. Hein. C'est juste un nettoyant main, je précise. Mais super. Et là, j'ai sorti le nettoyant de la même gamme à la rose. Et pareil, je valide, l'odeur est divine. Et j'ai terminé ce dentifrice de la marque Colgate, le Max White en édition limitée. C'est le fameux dentifrice. Ah bah, il reste le... qui était de couleur violette. Alors, c'est le petit, la petite chose fun qui donne encore plus envie de se laver les dents. Le fait qu'il soit violet, il a un bon goût mentholé, j'ai franchement adoré. Quand je suis repassée chez Action l'autre jour, j'ai vu qu'il y était, j'aurais dû en reprendre un. Bon là, j'en ai commencé un autre, j'avais fait des achats dans la boutique Avril. Et j'ai trouvé le dentifrice de la marque Avril. Donc du coup, je suis en train de tester celui-là. J'aime bien changer, tester différentes marques. Mais alors celui-là, c'est un grand top. Je rachèterai sûrement. Je crois que la prochaine fois que je vais y aller, je rachète. Je voulais faire un retour aussi. Alors là, j'ai pas fini la boîte, donc je l'ai pas sur le thé froid. Des sachets de thé qu'on infuse dans l'eau froide, donc du thé froid, à 99 centimes, qui était à la fraise et à la framboise. Je vous avais présenté la boîte dans un haul Action. Donc je sais que certaines attendent des retours sur ce produit. Franchement, allez-y, foncez. C'est délicieux. Un bon goût de fraise et de framboise. Enfin, franchement, c'est délicieux. Je vous le recommande, et pour le prix deux fois plus, parce que 99 centimes les 12 ou 15 sachets, je sais plus, ça vaut vraiment le coup quand on voit le prix des Twinings en hypermarché ou supermarché comme vous voulez. Ça vaut le coup et ils sont délicieux. J'ai pas pensé non plus à garder, j'ai testé les faux ongles chez Action. J'avais envie de tester, pareil, les boîtes sont à 99 centimes, donc moi j'aime pas avoir les ongles très longs, donc c'est pas forcément le coloris que j'aurais choisi, mais bon ça c'est une autre histoire. Par contre, la pose facile, ils tiennent super bien, ça fait 5 jours bientôt que je les ai aux ongles, j'ai fait du ménage, la vaisselle, je me suis lavée, enfin bon, j'ai tout fait, ça ne bouge pas, je suis ravie. Donc j'en ai acheté d'autres un peu tie and dye, mais ils sont légèrement plus longs, donc on verra, mais je suis conquise par la qualité des faux ongles de chez Action. Donc voilà, je pense avoir fait le tour pour ce mois-ci, pour le mois de juillet. N'hésitez pas, à, comme je vous le disais en début de vidéo, à me mettre en commentaire votre avis sur l'un ou l'autre des produits que je vous ai présentés. Autrement, bah, j'espère que les juilletistes, vous profitez enfin du soleil qui est arrivé et de la chaleur. Bah voilà, moi j'ai fait le tour, je vous fais de très très gros bisous. Prenez soin de vous surtout, faites encore attention parce qu'on n'est pas encore tout à fait sortis de l'auberge, hein. Je pense que vous l'aurez compris, et puis bah à bientôt, ciao ciao.